Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog du vendredi déjà, putain. Ce matin, je me remets sur ma variation du MHR Team. Qui est presque fini, mais bon, je vais essayer quand même deux, trois petites choses. Allez, c'est parti. Jingle. Vous venez de voir un passage au banc dit en variation, hein, comme quand vous allez passer votre scooter sur le banc Maxi Scoot, vous avez une courbe de variation. Alors ici on voit, j'accélère la phase d'embrayage jusqu'à 50 km/h et à 50 après ici la phase de variation. Alors la variation elle fonctionne, donc ma puissance elle est stable, hein, un peu en dessous de 26 chevaux ici. Et là on voit ça se casse la gueule. Alors pourquoi ça se casse la gueule? Ça se casse la gueule parce qu'on va le voir ici. Ici mon régime. Là, je suis à peu près sur le départ de mon run. J'accélère, pof, je chope mon embrayage, hop, et je chope la variation ici. Et on voit mon régime, il tourne autour de 14. Hein, ma puissance maxi étant à 14100 tours, je crois. Mais la courbe, elle monte. Le régime monte sans arrêt. Et à un moment, j'arrive sur l'allonge moteur, et là, je chope près de 15 000 tours. Et à 15 000 tours, il y a moins de puissance que forcément à mon régime de puissance maxi qui est à 14002, je crois. Voilà. Donc voilà pourquoi la fin de la courbe se casse la gueule. Alors pourquoi ça se casse la gueule? Bah c'est des soucis de variation. Hein. Alors à savoir que de toute façon, quand on essaye 10 correcteurs, 10 variateurs, même 10 courroies, ils marchent pas tous pareil. Alors ici, le correcteur avait déjà une pente qui était complètement usée. J'ai changé la pente pour avoir une variation un peu plus propre. Mais bon, ça se casse quand même un petit peu la gueule. Alors c'est dû à quoi? Il y a plein de possibilités, les ressorts de poussée. Bon, ça, les ressorts de poussée, j'ai essayé un peu tout ce que je pouvais essayer, ça fonctionne pas comme je veux. Et après, bah, suivant les usures de variateurs, les usures de correcteurs, et après, comme je vous dis aussi, il y a aussi des mystères. Hein, pourquoi il y en a qui marchent, pourquoi il y en a qui marchent pas, ça, on sait pas. Enfin, personnellement, je sais pas, mais c'est le cas. Ils marchent pas tous aussi bien. Donc voilà. Sinon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut comparer donc la courbe de maintenant, hein, le moteur terminé, et puis on peut comparer à la courbe quand il est arrivé. Voilà. Donc la courbe d'arrivée étant la verte, hein, et la courbe à la finalité du moteur étant la rouge, forcément. Donc bah, y a quand même un bon gain. Ça m'embête quand même de ne pas avoir une varia super stable, mais bon, c'est quand même pas mauvais, on va dire. Hein. Il y a quand même de quoi rouler, normalement, sans souci, comme c'est là. Voilà. Ici, on peut s'amuser avec ça, avec la super fonction de mon nouveau banc. Attention. Donc, on voit, ici, on peut se remettre, ici, on peut faire une répétition du lancer. Donc, on voit, attention. Comme si on démarrait, je suis au ralenti au feu, et là ça passe au vert, j'accélère, paf. Ma phase d'embrayage, tac, je chope ma Pmax, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça se met à gueuler un peu trop, et le moteur se recasse la gueule, voilà. Et après ici c'est moi qui coupe, hein. Sinon je pouvais allonger jusqu'à 140 km/h peut-être. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Je dois en oublier certainement, mais bon, hein, des vlogs on pourra en refaire, c'est pas un souci. Hein. Voilà. Ah, petite nouveauté qui sera sympa, hein, c'est que je pourrais vous filer les courbes de banc avant-après. Donc là, avant-après, hein, forcément. Et aussi, donc la courbe forcément du moteur fini. Avec ici, il y aura tous les paramètres météo. Et ici, toutes les infos du moteur, le switch, le taux,
Peut-être que je vais mettre le squish, le taux. Ici, on voit les gicleurs, les galets qui sont dedans, les ressorts, les courroies, etc. Mange la blanchette. Tranquille. Top caméra minée. Voilà, sa caméra mine. Alors, le moteur molle aussi, il est enfin fini. Putain, depuis le temps que je suis là-dessus, pas trop tôt. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Dépose moteur du châssis, on le met au colis et enfin, on le réexpédie. Depuis le temps qu'il est là. Et après, on passe sur un truc qui est tout de suite moins plaisant pour moi, faire des pattes pour fixer un moteur de Nitro Veto sur un Yamaha Passola. Voilà, dans un souci de professionnalisme, j'avais démonté le moteur, mais c'était pas possible pour moi de ne pas mettre le point sur le souci, quoi. Donc j'ai remis le moteur, encore, et j'ai changé de correcteur. Ah bah, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est tout plat. La courbe de régime, c'est tout plat. Donc voilà, comme quoi, juste pour un correcteur qui est même pas usé, mais... Voilà, correcteur qui veut pas fonctionner correctement, point, quoi. On sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà donc ce que je vous disais, la courbe de régime en changeant le correcteur. Donc il n'y a pas photo. Hein.